la fin de la journée, plusieurs participants ont exprimé leur joie pour le bon déroulement des activités. Il convient de souligner que la prochaine étape du pèlerinage intercontinental des jeunes sera à Cracovie en 2016. Pour rythmer ce grand événement, le pape François a donné trois étapes de réflexion pour les trois années qui viennent. Ces thèmes sont centrés sur les béatitudes évangéliques. Cette année, on commence par méditer la première. « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. » Matthieu 5, verset 3. Pour 2015, le pape propose « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. » Matthieu 5, verset 8. Et enfin, en 2016, le thème sera « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Matthieu 5, verset 7. C'est là, j'aime toujours demander bon Dieu dans l'activité musicale. Moi, faire mon grand musicien l'église. Bon, et moi, ça a toujours fait dans toute inspiration mieux. D'abord, c'est inspiration ecclésiastique. Ça a toujours marché bien. Et bon, tout ça me dit dans le thème, là, c'est dans la Bible. Et surtout, je prends un peu dans l'Ancien Testament. Et je prends là dans tout dans le Nouveau Testament, juste pour ne pas paraître ensemble avec San Majodia. Le texte là, c'est Jeune, on avance pour nous bâtir une société nouvelle. Et dans la remède, dans l'union, on a fait l'église là, plus belle. Dernier tout, Jeune, on pique pour plus devant pour nous faire l'église avancer. C'est juste un petit casque que ça nous capable de résumer. Tout ça nous dit dans la musique là, dans le thème. Par exemple, dans le premier couplet là, qui dit. Et pour l'église, pour une bonne évangélisation, il faut une grande jeunesse qui jambe. Alors nous fait paraître tout ça là-dedans. Dans le deuxième refrain, il y a deux refrains, c'est le thème même nous prenons, nous mettons la musique là sous les. C'est oui, mélodie, texte, c'est moi-même. Comme nous connaissons l'église, là, autorité, à chaque fois un musicien, l'église composé, on chante, fuck, et y a un ministre dans l'église à well. Bon, je finis écrit et puis je fais un petit garder pour corriger faute parce que on est pas équipé à engager l'église là pour pas laguer comme ça, juste faut qu'on garde là-bas et pour éviter foi fidèle l'église là. Toujours un jour, bagaille prend l'autre extension parce que ça me constate, moi, année passée, tu gagnes pas de effectif qui était Jean-Mouel l'année ça, mais année ça, c'est extraordinaire. Bon, ça me souhaité, je Et faut pastoral la même tadoué gagner un local pour même pour accueillir parce que nous commençons à saturer parce que Jean-Marie nous faut que nous gagnions un local juste pour nous capables de recevoir le monde. Donc je dis à c'est une opportunité pour moi une autre fois encore pour que moi participe et dans l'activité ça je dis à là. Moi c'est ingénieur Philippe, moi c'est entrepreneur, moi fais partie du staff et maman Doudou à comme membre. Donc, je dis, puisque nous avons prôné une autre façon pour que la production nationale ait avancé, et bien c'est ça que fait, je dis, on est capable de faire un zoom sur Mounio et sur moi-même tout en particulier, c'est que nous avons présenté un produit. Produit, c'est produit la caille. Et nous croyons que c'est ça, ni moi, ni tout staff et Maman Doudou, nous avons prôné cette production nationale là qui est capable de prendre j'arrête. Mais nous-mêmes, je dis, nous voulons montrer que le monde entier est capable. Et nous sommes capables, c'est que gagner bon bagage, nous sommes capables de faire, nous avons bon manger, nous sommes capables de manger. Là, nous avons gardé, nous avons 10 riz à la loge, up to date. Nous avons tiré à casser, up to date. Et nous avons d'autres bagages. Nous ne sommes pas capables de dire, maintenant, que nous quittons pour l'autre et nous sommes vivre tout. Mais quand même, nous disons merci et nous encourageons tout le monde, en particulier, et le monde entier, pour que les gens entrent en Haïti, nous sommes capables de manger pays. Fait dans la journée et tout le monde a remarqué c'est ça où il est dans la journée de jeunes. Côté où on plus jeune qui pendant toute journée depuis 7h30 du matin, côté là d'abord, dans marche qui est sorti trois côté jeunes déconnés, qui est sorti à Damrache, Saint-Di avec l'histoire. C'est nous débutons depuis 9h et depuis le matin, tu as gagné des conférences sous thème, nos jeunesse en action pour l'église à l'environnement mondial. Tu as gagné. M. Fayvette, nous avons gagné le professeur Ricardo Augustin, Mme Marie-Laurent Josselasseg, qui était là pour accompagner les jeunes dans la réflexion. Nous avons gagné également un passage très bref de José Roubert, qui était aussi animation à l'intérieur même des conférences. Et après, nous avons une belle célébration eucharistique, surtout avec Mgr Kenel, qui a délivré un bel message au mot de l'Église à l'adresse de jeunes. Rappelons-nous comment on pourra se regarder développer dans l'ordre de la discipline toute jeune. Comme de prévoir la terrible, des goûts et au bagaille, surtout par rapport à la production nationale.
Je vous dis mon Dieu merci pour une belle initiative. Ça, et nous pensons que l'église là, c'est le voir que les remplir, les accompagner jeunes, sur tous les plans, intellectuels, spirituels et culturels. Bon, nous t'apprêtons 20 000 jeunes, moi j'ai l'impression de gagner jusqu'à 60 000, trois fois plus que ça fait atteindre. Ça montre que jeunes ont un bon souci. Et mon bagage à chercher. C'est vrai que pour rassembler un jeune, pastoralement, quel que soit moyen qui est capable de rassembler, il bon, il suffit que vous vivez canaliser. Donc il y a plus de jeunes qui sont venus, c'est parce que vous avez des créoles là, vous avez des bien ici, mais ça va faire. L'essentiel c'est que vous là. Et pendant que vous avez autant de messages, vous avez une parole quand même. Non, parole, Monseigneur Kenel, ou bien en propos, une conférence qui touche que vous et qui va faire effet dans la vie. Je profite pour remercier tout le monde qui est venu, toute l'école, toute paroisse, tout jeune sur tous côtés pour un bon moment de fraternisation. Ça. Et nous souhaitons que la journée sera quittée trace positive dans la vie de chaque jeune qui est participé à la vie.